L'économie circulaire, c'est peut-être, en la résumant, la meilleure façon d'utiliser au mieux l'ensemble des ressources qui sont autour de nous. Au mieux, c'est-à-dire de façon raisonnée et pendant le plus longtemps possible. On collecte du matériel informatique dans les entreprises lorsqu'ils ont décidé de les renouveler. Et ces matériels, on va tâcher de leur donner une deuxième vie, soit en tant que tels en les remettant en circulation, soit après les avoir démantelés pour les plus anciens ou pour les plus abîmés et les faire recycler en termes de matière. Ces équipements, ils peuvent durer longtemps. Ils sont encore assez performants pour remplir les besoins de 90% des utilisateurs au niveau familial. En 2016, on a récupéré un peu plus de 30 000 articles. Derrière ce projet écologique, on a effectivement un objectif qui est aussi social, puisque nous sommes une entreprise adaptée et que plus de 80% des collaborateurs d'AFB sont des personnes en situation de handicap. J'ai commencé, nous étions 5 et maintenant nous sommes sur Annecy, une trentaine, et sur la France entière, je crois une cinquantaine. Cette économie sociale et solidaire, elle est cohérente et elle est, entre guillemets, rentable.